disais, le mois dernier, l'auteur, compositeur, interprète Otavien est présentement en tournée un peu partout à travers le Canada. Il va être à Winnipeg demain, à Kenora le 20 mars, Sault Ste. Marie le 22, Kingston le 28 et à Toronto le 1er avril avant de se diriger vers l'Europe. Ah, l'Europe, les Europes. Et que c'est le fun, les Europes. Même Kale Madsen, Kale Madsen. Kale. Moi, je l'appelle tout le temps Kale. Kale, me semble, ça prend juste un L. Kale Madsen, il est maintenant sur le radar de Pitchfork qui ont donné un 7.6. Ça, un 7.6 sur Pitchfork, ça vaut quasiment. De l'or. De l'or. Ça vaut comme une bourse de 20 000 $ de quelque part d'autre. Tellement ça va donner de la visibilité. Très, très cool. Maintenant, on va passer à quelqu'un qui n'est pas du tout sur le radar de Pitchfork. Notre radar à nous, par exemple, qui doit être pointé ailleurs. On parle d'Odile Dupont. On a parlé de son album un peu plus tôt cette année. On l'a rencontré au Carnaval de Québec. On va aller voir sa chanson « Nu comme nos yeux ». Assez pratique quand à la gorge plutôt hystérique. Au lieu de crier que t'es un salaud à tuer, je bois tant mieux du saphir bleu, bleu comme tes yeux, comme tes yeux, comme tes yeux. Jack, ça se boit tout d'une claque quand ton cœur se noie dans un grand lac. Au lieu de hurler que tu es un sale pervers, de préférer les filles aux yeux verts, verts comme ses yeux, comme ses yeux, comme ses yeux. Ça fait un tabac quand tu cherches à appâter ta proie. Au lieu d'espérer que tu viennes me consoler, je danse toute nue avec un inconnu, nu comme mes yeux, comme mes yeux, comme mes yeux, comme nos yeux, comme mes yeux.